Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Eh bien, l'autre fois encore, nous présenter pour nous capables de parler de l'autre thème qui est très important. Mais puisque nous vivons dans un moment coronavirus, nous pas qu'à faire, ça nous pas parler de lui. Premièrement, pas oublier la vie, mais nous. Pas vague consigno, distance 1,50 m, et puis à partir de là, éviter réunir en groupe, ça a pédé ou en pile. Voilà. Et nous, pas qu'un mot pour en pile temps, sans que nous pas perdions temps, c'est un petit poésie. Et nous pas l'entrer dans le thème pour aujourd'hui. Hein. Combien de fois yon femme t'a doué faire bagaille dans yon semaine? Et nous avons pile théorie qui parlait de ça. Et ceci, Zafé fait bagaille là, il était comme une prérogative, je dirais, c'est ça, pour les gens qui sont dans le domaine et sexualité. Nous parlons très rapidement. Nous voulons dire que là où nous prenons le thème sexuel, c'est pas fantaisie, ni c'est pas. Femmes à nous capables de dire nos besoins, mais nous juste voulons partager avec vous les bienfaits qui gagnent dans la sexualité, sans quoi spécialité ça pas tape exister, ça aurait les thérapies sexuelles ou bien sexologie si vous voulez. Ça veut dire que ce sont des bagages qui sont importants pour la vie humaine. Combien de fois par semaine? Nous avons une théorie qui sortit et puis lui partager quelques points, des grandes idées, qui ça l'ont respecté le nombre de fois par semaine non, au minimum, qui avantage sa beauté, et l'ont pas fait le tout, qui désavantage qui vient là-dedans. Bon, nous pourrons le contrôler pour nous voir combien de fois il a fait par semaine pour que femme non, en bonne santé. On va parler des garçons en tout, mais nous pourrons parler d'un domaine femme parce que le type de maladie que nous pourrons parler de l'ILA, dans un manque de fel, les garçons pas souffrir facile. Bon, tu as une théorie qui t'a parlé de ça, mais garçons pas souffrir facile. Les femmes pas fait bagaille ça, les contingents hystériques. Là, nous parler de hystérie, c'est. Mon fâché avec facilité, il fait colère, puis il rend que tout ça il a fait, il est en état d'animation. Lorsqu'on est en état d'animation, il au cap pas la là et puis il est bien le après le ça veut dire il n'est pas même quand ça veut pas parler. Et ça c'est maladie ça que les capables mais les capables les capables retirer tout les capables ont une déficience au niveau du cerveau mon a manqué capacité pour que les capables penser et même rédiger des affaires sérieuses ça c'est tout ça que les capables toutefois finissent par faire la quantité de temps nous voit dire là dans une semaine l'autre bagage capable faire il capable fait l'insomnie. Insomnie, c'est les gens n'ont pas qu'à dormir. Toutefois, ils n'ont pas qu'à dormir. Eh bien, ils n'ont pas qu'à récupérer l'énergie qu'ils ont perdue. Et songez, moi, tu voyais en vidéo pour nous que tu parlais des trois types de sommeil. Eh bien, il y a sommeil lent, léger, sommeil profond et puis sommeil paradoxal. Eh bien, il y a des gens qui hystérie ou bien qui pas fait mal à la quantité de temps qu'ils dit là. Eh bien, les poils souffrent toutes gens de maladies. Ça. Bon, et nous pourrons aller très rapide. Bon, ouais, c'est comme ça. Hein. C'est la petite Ishka qui m'appelle. Papa, c'est quelle émotion. Hein. C'est intéressant. Ça veut dire, dans une semaine, combien de fois elle t'a doué? Nous pourrons le contrôler d'abord dans le jour. Et puis après, nous multiplions par 4. Multiplié par 5. Les mois, alors. Pardon. Après, on a multiplié par 7. OK? Dans un jour, nous pourrons commencer. Premier jour, qui c'est dimanche.
Et nous voulons voir une précision ça pour nous. Ils ont montré nous à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche, c'est les jours consacrés au repos, à la prière. Bon, en plus, le monde prend comme ça, mais c'est dimanche qui est le premier jour de la semaine. On a commencé dans dimanche, non? Lundi, oui. Mardi, non? Mercredi, oui. Jeudi, non? Vendredi, oui. Samedi, non. Et dimanche, ça veut dire, dans une semaine, dans une semaine, au moins, faut que y a moun ka viv an koup, ka gen yon relation 4 fois par semaine, au minimum. Et ça pral aidi moun nan et jouer sur la dépression parce que en libérant des hormones du plaisir, bien des substances du plaisir, dopamine et sérotonine, et ça pral aidi moun nan contre la dépression. Ça pourra aider jouer hormones anti-stress surtout cortisol tout ça voyez-vous bien et bien sûr ça pourra bailler en pile énergie à cerveau parce que plus sang circule plus bien mais cerveau gagne plus énergie et toutefois il gagne plus énergie et ben il pourra fonctionner plus bien ça veut dire dans une semaine l'important pour une femme, t'as fait bagaille minimum 4 fois par semaine pour éviter hystérie, pour éviter état d'animation, pour éviter stress, tout ça. Voyez-vous bien, mais il y a des couples qui le font chaque jour, ça veut dire 7 sur 7. Il y a des couples aussi 5 sur 7, 6 sur 7, ben, aucun problème. Mais aussi, il y a des couples qui le font 1 sur 7, ça veut dire une seule fois par semaine, peut-être c'est une fois par mois, aucun problème. Voyez-vous bien, si vous avez aimé, tant mieux. C'était Faniel, la psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, comme ça, partagez cette vidéo à tous vos amis, et à tous vos frères, à tous vos proches. Bonjour, on se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Au revoir.